Eh bien, salut tout le monde, c'est Rascal. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre aventure Pixelmon Giotto. J'espère que vous allez bien. Vous inquiétez pas, derrière moi, il y a plein de multi-expériences dans tous les sens. C'est tout simplement parce qu'à chaque fois que je me connecte, ben, j'ai un bug et il y a tous mes Pokémon qui en ont un. Donc, du coup, à chaque fois, je les balance n'importe où. Vous inquiétez pas, ils vont disparaître de toute façon. Oh là, what? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je peux pas aller plus loin? Attendez, est-ce que je peux y aller? Oui, je peux y aller. Ok, donc dans le dernier épisode, on avait gagné le badge Tempête. Donc on a maintenant 5 badges. Alors, pour cet épisode, on va aller voir la grotte. Voilà, cette grotte-ci, parce que apparemment, c'est un parc safari qu'il y a là-dedans, si je comprends, enfin, si j'ai bien compris, qui est seulement dans les nouvelles versions, donc Earth Gold et Soul Silver, et qui n'était pas dans argent, cristal et or de départ. Donc on va aller voir ce qui se passe. Et apparemment c'est aussi ici qu'il y aurait la grotte pour Groudon et Kyogre, ou que Groudon ou que Kyogre, je sais pas. Donc on va bien voir si jamais on les trouve. De toute façon ils ont un trop haut niveau pour nous je pense. Donc, écoutez, on verra bien. On verra bien, on verra bien. Pendant que c'est... Attendez, est-ce que j'ai... Tac, 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 tac. Shadow. Ah non, c'est bon. Non, je sais pas. Je vois les ombres qui buguent un petit peu là. Et tout. Donc, est-ce que c'est là? Attendez, on va bien voir. Alors, je sais pas du tout c'est où qu'il y a le. Qu'il y a tout. Donc, on va bien voir ce qu'on trouve. Alors apparemment on pourrait monter au-dessus de la cascade là-bas. On va pas y aller parce que c'est une cascade. Je suppose qu'il faudrait normalement la CS cascade. Dans le jeu de base on ne l'a pas débloqué maintenant. Donc mais normalement j'ai accès, il me semble, au parc Safari dès maintenant quoi. J'ai pas besoin d'avoir plus. Normalement c'est débloquable directement. Ah oui, et du coup on passe sur le pont qu'on voyait. Ah mais on est au-dessus. Ok, et effectivement là-bas il y a des herbes et tout, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ah et regardez, on voit une structure là. Donc à mon avis, effectivement, c'est le parc Safari. Enfin du moins j'espère, parce que sinon, bah, je sais pas pourquoi est-ce que je suis venu là. On verra bien. J'ai Fly, alors il faudrait que je regarde comment Fly ça fonctionne aussi. Ça c'est une bonne question. Alors, où est-ce qu'on est là? Il y a un grand truc avec une Pokéball dessus. Est-ce que c'est par ici? Non, c'est pas là. Et vous êtes niveau 30. Ok, donc effectivement, je pense que je fais bien de passer par ici. Normalement. Normalement, il n'y aura pas... Enfin, je suis dans mon niveau. Ah, regardez, effectivement, on dirait que ça ressemble. Oui, c'est la Pokéball qui nous donne... C'est la... Comment ça s'appelle? La Safari Ball, je crois. Ouais, qu'il y a sur le bâtiment là-bas ou sur la porte, je sais pas, peut-être que ça va pas charger, donc j'évite de m'avancer trop vite sur ce que c'est. Alors, en tout cas, c'est bien joli par ici, franchement. Ça, j'étais jamais venu dans le jeu de base, si vous voulez savoir. Du coup, c'est vrai que je découvre avec vous. Alors, quelqu'un m'a demandé pour un Tauros, justement. Alors, sachez que aussi, j'ai téléchargé la dernière version du pack de textures, donc alors. Au niveau du pack de texture, pour ceux qui se demandent, parce que c'est vrai que vous pouvez vous poser la question, mais d'où est-ce que ça vient? Qu'est-ce que c'est que ça? Et tout. Eh bien, le pack de texture est tout simplement le pack qui est donné quand on va sur le serveur Pokéballers. Donc le serveur Pokéballers, c'est où on a fait Pixelmon saison 2, où on n'a pas encore terminé, mais où on a Pixelmon saison 2 par exemple, et où il y a pas mal de choses. Donc voilà, pour ceux qui veulent savoir. Alors hop. Ah, attendez, parce que quelqu'un m'avait du coup demandé pour avoir un Tauros, enfin pour avoir ce dos sur Tauros, et c'est vrai que. Attendez, je crois que je peux l'attaquer quand même, parce que je lui avais pas fait trop de dégâts non plus. Encore une fois, voilà, parfait. Et maintenant, on va utiliser une Super Ball. Je vais essayer de regarder rapidement dans les commentaires s'il y a moyen. J'espère que ça va pas me lancer la vidéo en fond, parce que sinon vous allez entendre le bruit. Ok, on ne l'a pas capturé. Est-ce que... Attendez, comment est-ce que je descends là-bas? Je sais pas, parce que j'arrive pas à descendre dans les trucs. Donc, alors attendez, il y a là... Il faut que je prenne les deux derniers épisodes, parce que vu que j'ai pas capturé lors du dernier, c'est vrai que...
que vous pouvez m'avoir demandé. Et donc ça, attendez, ça c'est hop, hop. Voilà. Ok, alors j'ai capturé Tauros, donc magnifique, je suis désolé si... Ah bah tiens, il y a plein de Tauros partout. Tiens, c'est bizarre comme endroit. On dirait limite un marché. What? Je sais pas ce que c'est, tiens. En tout cas, j'aime bien, c'est joli par ici. Je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça super joli encore. Comme endroit. Bon, effectivement, c'est le parc Safari. Alors, je vais juste regarder 2 petites secondes, je suis désolé. Au niveau du Tauros, hop, c'est pas là-dessus, donc ça doit être là. C'est pas là non plus. Comment on écrit Tauros de base? TAU. Ah, peut-être que c'est sur 2 pages. Non. Non, 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 c'est pas sur 2 pages. Non, attendez, pourquoi est-ce que ça me mettait cette erreur? Ou alors peut-être que... Hop, je suis désolé. Ah. Ok. Ok, je vois. Et là, peut-être qu'il y a une erreur dans le nom qu'on m'a donné. Cool, cool. Non. Attendez, tac. Non, et là. Ouais, parce que en fait, YouTube est pas mal, est assez mal fait quand même quand on veut lire ses commentaires. C'est vrai que c'est assez chaud parce qu'il y en a qui se mettent en genre et il faut afficher les commentaires et tout pour les voir. Ah, tiens, on a. Attendez, on va voir à quoi ressemble le parc Safari. Wow. Ouais, ça a l'air d'être un parc Safari basique. Bon, écoutez, je pense qu'on va aller voir ce que ça dit à l'intérieur. Je pense que ça m'a l'air bien. Alors, Safari Zone basique. Donc, le Safari contient des Pokémon qu'on ne peut pas trouver autre part. On peut les capturer en usant les Safari Balls. On a 10 minutes donc pour compléter sa session. Donc, on a 10 minutes dans la zone. Terra Diversion of the Zone. Random. Once you begin, you must stay in the zone until... Ah, ok, donc il y a plusieurs zones apparemment aussi. Et du coup... Et du coup... Oh, on s'est fait téléporter, on a 64 Safari Ball. Donc du coup, on est dans le parc Safari, effectivement. On voit qu'il y a d'autres zones, mais bon, moi j'ai pas accès à celle-là, j'ai accès à celle-ci. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il y a. Ça devrait spawner petit à petit, vous inquiétez pas si vous voyez que ça ne spawn pas directement, c'est parce qu'on a été téléporté. En tout cas, ça a l'air pas mal fait comme système. Ça a l'air vraiment pas mal fait. On a plusieurs endroits. Regardez-moi ça là, on est dans une forêt maintenant. Je regarde après des Pokémon que j'ai peut-être pas encore forcément vus. Hein. Je vous le dis d'avance. On va aller là. Parce que ça m'a l'air joli avec les fleurs et tout. Ah, regardez, il y a des sacs de nœuds qui ont spawné. Il y a des sacs de nœuds, ouais, effectivement, qui se battent déjà. C'est magnifique. Et ici, il y a des Magikarp. Alors, il n'y a que des Magikarp, j'ai l'impression. Magikarp, Poissirène. Ok, il y a déjà 1 minute de passé. Décidément, ça va. Mais genre, super vite. Oh, ben non, j'avais envie de tenter le Tropius. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On va aller voir. Là-bas, il n'y a pas de chemin, en fait. Je regarde simplement si je vois pas un shiny quelque part aussi, on sait jamais. Hein. Après tout. Après tout, on ne sait jamais. Il y a Psycho-Kwak, Cap-Humain. C'est dommage parce que c'est des Pokémon qu'on a déjà vus. Alors je sais pas si c'est dans la zone où on m'a TP et que bah, du coup c'est pas cool comme zone. Mais c'est vrai que c'est des Pokémon que j'ai déjà vus auparavant. Magikarp encore. C'est pour ça que j'essaie de vite me déplacer. What? Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, je sais pas du tout ce qui s'est passé. Mais bon, c'est pas grave. Ah là-bas, il y a Ortid et tout. Ortid, Yanma. Ortid, tiens. Regardez-moi ça. Et il est bien fait. Bon, c'est dommage parce qu'il n'y a pas trop l'animation quand il bouge. Et il est niveau 43 aussi, du coup, c'est... C'est un petit peu haut quand même, on va aller voir l'autre là-bas.
On va aller voir l'autre. Alors j'ai vu sur le sur le Twitter de Pixelmon, donc le Twitter du CA qui enfin, de l'équipe qui s'occupe de Pixelmon, je ne sais pas si c'est une équipe ou s'il y a vraiment beaucoup de personnes ou autre, qu'ils étaient en train de modéliser OO, donc c'est pas mal parce que je suppose qu'il va y avoir une mise à jour sur la map et que du coup on pourra le capturer plus tard. Donc voilà, c'est tout simplement pour vous donner l'info. Je suppose. Alors les mises à jour de Pixelmon, ça sort assez vite, donc je pense effectivement que ça devrait aller assez vite à mon avis. Hop. On va se battre, ou alors on fait quelques petits combats en passant, parce que c'est vrai que on n'a pas trop de Pokémon qu'on veut capturer là du coup. Des Venipat, Scarabrut, Magikarp et tout. Y a pas moins de... Ah, attendez, il y a encore un Ortide qui nous agresse. Bien sûr. Comme d'hab, hein, ils nous agressent les gens ici. Le truc, c'est qu'en fait, j'ai pas envie de capturer un niveau 49, quoi. Je veux bien, hein, mais bon. Je pense que là, on peut pas y accéder normalement. Donc, on a fait le tour de l'endroit où on était, je pense. Du moins. Ah tiens, Ortie niveau 23. Bon, on va le capturer, tiens lui. Allez, hop, comme ça on sera pas venu pour rien. On va juste faire gaffe parce que. Effectivement, il y a d'autres Pokéballs. Mais comment est-ce que j'arrive à aller là-bas en dessous? Je sais pas du tout. Je connais pas encore le pack de textures correctement. Donc on y va avec les Safari Balls quand même. Hein, un minimum. Hop, donc on l'a capturé. Donc si quelqu'un vient d'obtenir le succès, c'est quoi ça? Ok, je sais pas ce que c'est. Mais on a capturé Ortid. Donc si quelqu'un veut son pseudo sur Ortid, c'est le moment de demander Statitique. Là, bah, il nous agresse, donc on va essayer aussi de le capturer. Moi j'aime encore bien venir dans les parcs et safari parce que du coup ça fait vachement quand même grandir l'équipe qu'on a de base en fait. Et du coup on est là, on capture, on capture, on capture, on capture. Et puis au final bah on est bien. Alors, attendez, non je vais pas l'attaquer. Là je peux que le capturer. Je ne peux que le capturer. Hop, oui, je suis en train encore de chercher après les pseudos si vous m'en avez donné. Je suis désolé, c'est vrai que je devrais faire une liste à côté de moi. Mais bon. Ok, c'est bon, en fait, j'avais zappé un épisode. J'avais zappé l'épisode 9 de regarder les commentaires de l'épisode 9 d'où je ne trouvais pas tout ce que je voulais. Ah, voilà. Le taureau, c'est le nom de vrai. Attendez. Ok, effectivement. Effectivement, on m'avait demandé pour Tauros. Alors, est-ce que je vais réussir un jour à le capturer lui? Effectivement, il y a une grotte où on peut effectivement avoir Groudon et Kyogre. Oui, je viens de relire le commentaire. Alors, je sais pas si c'est vraiment ici, mais à mon avis, ça doit être à l'endroit au-dessus de la cascade. Tiens, vous avez vu aussi, genre une boule passer, genre super vite devant nous comme ça? Ah ouais, vous avez vu, il y a des Pokémon qui bug. C'est chelou. Alors attendez, quelqu'un m'a demandé pour Tropius. Du coup, on va essayer de voir s'il y a un Tropius quelque part. Alors ça doit être des bugs comme quoi il y a un Pokémon qui est là alors qu'il n'est pas là. Il y a un Tropius là, il est niveau 17, donc c'est parfait. Non, reviens s'il te plaît. Voilà, à partir d'un moment, c'est sympa, mais les Pokémon qui volent, c'est pas les plus faciles à récupérer derrière. Oh bah génial. Génial, il s'est cassé. Bon, je suis désolé, hein, c'est pas faute d'essayer de capturer Tropius, mais c'est vrai qu'une fois que je suis pas... Il faut que j'arrive en fait à lancer le combat et puis directement, comme ça, je peux tenter de le capturer correctement. Oh, Arco, encore. Niveau 15, tiens. Ouais, c'est des... C'est pas mal le parc Safari, mais c'est dommage qu'on ait déjà vu tous ces Pokémon-là depuis le début. C'est
C'est vraiment ça qui est dommage. Pourtant, c'est des spawners, hein. Ça se voit que c'est fait. Enfin, que c'est des Pokémon qui ont été décidés de venir là grâce à des spawners. Mais le truc, c'est que vu que j'ai commencé l'aventure sans spawner, c'est vrai qu'au début, c'était assez chelou parce que du coup, bah, on se tapait des Pokémon à la rien à voir n'importe où. Et là, j'ai bien envie de capturer Carvana. Ouh là, je devais pas tomber dans l'eau, par contre. Bonjour. Est-ce que je vais arriver à viser? Ah non, c'est un Magikarp qui m'a agressé. J'avais l'espérance. Alors toi, t'es là. Non! Où est-ce qu'il est passé, le Carvana? Mais c'est chiant, il arrête pas de bouger partout. Mec, viens ici! Voilà, enfin! Hop, Carvana! Oh non! On l'a one shot. Ok. Je m'attendais pas au fait qu'on le one shot. On a encore combien de temps là? On est à 8 minutes. Donc, du coup, il nous reste 2 minutes dans le parc Safari. Bon, écoutez, c'était juste pour voir à quoi ça ressemblait. Hein. Peut-être qu'on y reviendra une fois. Je sais pas. Peut-être voir une autre zone, mais. Prochaine fois, on ira plutôt à Holyville, je pense. En fait, le problème, c'est que. Les Pokémon qui sont dans l'eau, regardez-moi ça, comment ils bougent ce Carvana là dans tous les sens. C'est horrible. Ah voilà, ouf, j'ai réussi à le viser correctement. Allez, c'est parti, hop, il nous reste pas beaucoup de temps. Donc on va essayer de le capturer. On voit la petite Pokéball, boum, qui s'est mise devant nous. Bah, ça marche pas, très bien. Allez, on retente. Lui, je peux pas l'attaquer parce qu'il est que niveau 5. Donc c'est vrai que si je l'attaque. Ah, c'est pas vrai. Si je l'attaque, je pense que je vais mettre KO directement. 2, 3. Ah, dommage, j'y ai cru. Allez. 1, 2, 3. Yeah! On a capturé Carvana. Alors, je crois que quelqu'un m'avait proposé un pseudo pour Carvana. Malheureusement, c'était, je crois. Alors, si je me trompe pas. Enfin, non. C'était pas un pseudo, c'était un surnom. Et je crois que le surnom que vous m'aviez proposé pour Carvana, c'était Sharky, il me semble. Or, Sharky. En fait, le problème, c'est que parfois, vous me donnez des surnoms que des youtubeurs donnent dans leur let's play sur des jeux Pokémon basiques ou autres. Et j'ai envie que le surnom, ça soit vous qui le trouviez. C'est pas un surnom que vous avez vu quelque part et que vous trouvez stylé, que vous devez me donner, si vous voulez. Du coup, voilà. Alors, toi. Ok, je peux l'affronter aussi. Allez, on va essayer de faire une pierre deux coups pour capturer Tropius. Comme ça sera un peu l'épisode capture. Ça fait longtemps qu'on n'a plus vu vraiment de capturer de Pokémon. Donc écoutez, ça peut être sympa. Alors je suis toujours en combat. Ça c'est bizarre par contre. J'espère que ça n'a pas tout fait bugger. J'espère que ça n'a pas tout fait bugger parce que je ne peux pas revenir en arrière là. bon. Bon, 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 bon. Non, tu veux pas? Bon, bah, je vais vous proposer une ellipse, malheureusement, parce que je suis bugué dans le combat et je peux rien faire sur le jeu là. Donc, je vous dis à tout de suite. Alors, re tout le monde, voilà, j'ai réouvert donc le jeu et bon, bah, heureusement, je suis réapparu à l'entrée du Safari. J'avais peur que ça me fasse complètement bugger et que j'apparaisse à un endroit random sur la map parce que, à mon avis, c'est pas. Enfin, je crois que c'est Pixelmon qui supporte pas la téléportation pendant qu'on est en train d'être en combat, je crois. Et puis le fait qu'on se téléporte super loin. Ah, bah tiens, ici, il n'y a pas pour soigner, tiens, c'est chelou ça. Et là au-dessus, est-ce qu'il y a quelque chose? Non, il n'y a rien. Oh, vous avez vu? Tiens. Tiens, 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 peut-être que c'est une nouvelle zone, le Safari, ou que c'est pas encore terminé. Parce que, effectivement, la map est sortie, alors logiquement, il y a au niveau de la map en elle-même, il y a tous les badges, la ligue, etc. Mais sachez que il y a toujours des choses qui peuvent changer. Et du coup, par exemple, dans ce cas-ci, c'est vrai qu'il n'y a pas de PC ni rien dans le centre Pokémon, mais ça peut arriver dans les prochaines mises à jour de la map. Et j'essaie de rester j'essaie d'avoir directement les infos quand il y a une mise à jour. À chaque fois que je tourne avant de tourner un épisode, si vous voulez, je regarde s'il y a une mise à jour ou pas pour être sûr de pas manquer quelque chose. Parce que imaginez, boum, il y a une grosse mise à jour, genre qui rajoute un truc énorme et que je passe à côté parce que je regarde pas, ben voilà. Du coup, je regarde à chaque fois s'il y a vraiment quelque chose. Alors attendez, c'est vrai qu'il y avait normalement Groudon et Kyogre ici, on me dit. Enfin, j'ai encore relu ça juste avant.
Et je sais pas du tout c'est où quoi. C'est, je sais pas du tout. Si quelqu'un sait par où c'est qu'il y a Kyogre, Groudon, ou je ne sais pas s'il y a censé avoir un légendaire ici, bah qu'il n'hésite pas à me le dire. Enfin, je veux dire, dites-moi simplement, ouais, c'est au-dessus, c'est en bas, c'est. Enfin, voilà. Vous me dites, par exemple, il faut que tu suives simplement l'eau, bah je suivrai l'eau. Mais c'est vrai qu'il y avait. Alors, attendez, si je me trompe pas, je vais essayer de pas perdre de temps, du coup, je vais passer, boum, 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 hop, je passe comme un. Comme un fou ici. Tiens, j'ai encore une étoile du Nether. Comment ça se fait que j'ai ça, moi? C'est vrai que regardez. Alors, attendez. Logiquement, là, c'est vrai qu'il y a la cascade et on était venu tout à l'heure. Et là. Ok. Je sais pas. Je me suis dit tout à l'heure. Ah, mais attendez, il y a deux cascades. Du coup, c'est peut-être à une des deux seulement. Ah, tiens, bon, il y a un Tropius ici. On va là. Ouf. Ça va, c'est passé. J'avais peur que ça passe pas. C'est pas grave. Ça passe. Bon, j'ai plus de Pokéball tout à fait normal. Donc, on va aller rechercher si jamais il y a des Super Balls ou des Hyper Balls. Je sais pas, normalement je crois qu'on a minimum les Super Balls là. Enfin oui, on a le minimum les Super Balls. Je sais pas s'il y a déjà les Hyper Balls de disponibles pour nous, vu où on est. C'est vrai qu'il y a toujours là-bas en bas, tiens. Attendez, là-bas en bas, il y avait quoi déjà? Ah oui, on ressortait dehors. C'est ça, hein. Ouais, je crois que c'est ça, si je me trompe pas. Oui, on ressortait dehors, effectivement. Alors, je ne sais pas. Oui, donc, si vous savez où sont les légendaires ici, bah, dites-le moi. Alors, vous inquiétez pas. Pour ceux qui attendent leur pseudo sur les Pokémon, j'attends d'arriver au centre Pokémon pour les donner. Et puis, on se laissera là pour cette vidéo parce que ça fait quand même un petit temps qu'on est dessus. L'air de rien, le safari, ça a pris beaucoup de temps. Enfin, ça prend déjà 10 minutes de base. On a exploré un petit peu, etc. Donc, c'est vrai que. C'est vrai que. Ça prend du temps. Alors, on va aller là-bas. Parce que le centre. Attendez, le centre Pokémon, c'est par là, hein, je crois, si je me trompe pas. Alors, il me reste combien de combats à faire avec l'orbe? 224. Ouais, ça va être chaud. Oh, tiens, des neuneufs. On en a encore jamais vu. Attendez. On va le capturer quand même, non? Ça vous dit pas? Ouais, moi je pense que ça peut être pas mal. Niveau ball, logiquement, ça devrait peut-être bien passer correctement. Vu la différence qu'il y a entre mon Typhlosion, enfin Firefox et Nonneuf, mais apparemment ça passe pas très bien en fait, tout compte fait. Alors. Ah ouais, non, il veut pas se laisser capturer le petit chenapan. Du coup, j'ai qu'une sombre boule. Je sais pas, c'était la nuit quand on est sorti, mais peut-être que. Ok, ça a pas marché. Bon, bah, écoutez, tant pis, on va se casser. Voilà. Désolé, neuf, mais tu veux pas te laisser capturer, donc tant pis pour toi. Alors. Alors, bon, bah, il y a toujours mes multi-expériences, vous inquiétez pas. De toute façon, on va quitter la ville, je pense, dans le prochain épisode. Donc voilà, pour ceux qui se demandent. Hop, on va soigner. Bon, même si, à part la paralysie, il n'y a rien de spécial. Là, s'il y a Tauros, il y a moins de vie. Alors, attendez. On va, hop, retourner ici. Tac, c'est stylé maintenant. Ah bah tiens. Ah bah oui, c'est vrai, on a eu. Donc voilà. Alors, on va faire un petit truc. Donc, il y a plein de Pokémon. Ah, c'est vrai que j'ai capturé Ortide alors que j'avais déjà un. Un mystère, tant pis. Donc, alors, il y a plein de Pokémon ici. Il y a un Ortid qui n'a pas de nom, il y a un Statitik, il y a un Carvana, il y a un Tropius, et c'est tout. Alors, Tropius, on m'a déjà dit exactement. Alors, Carvana, vous m'aviez donné donc le nom de. Qu'un autre YouTuber a donné à son Pokémon. Donc voilà, j'attends. J'attends que vous me donniez vraiment un truc qui vient de vous. Et du coup, on va renommer Tropius. Alors, Tropius, on m'a proposé. Alors, attendez, tac. On m'a proposé Banana. Banana, moi, je trouve ça stylé pour un Tropius, étant donné qu'il a des petites bananes là. Je sais pas si c'est des bananes exactement, mais à mon avis, oui. Et donc, pour Tauros, on m'a proposé. Alors, attendez, faut juste que je retrouve le pseudo. Voilà, alors, Tauros, c'est Geeker Suisse qui a proposé. Hop. Donc, hop, Geeker Suisse. Hein, il n'y a pas assez de place, tiens. Bon, je suis désolé. Je suis désolé, il manque. C'est pas moi qui veux pas. Normalement, je sais bien qu'il y a un E à la fin, mais je peux pas le mettre à cause du. Donc, si tu veux changer, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Et puis, on changera ça dans le prochain épisode. Hop, alors,
on va retourner ici. On va mettre ça là. On va mettre ça là. Donc on a Firefox, on a Rémi aussi. On a Allbait, qu'on va mettre là. Il y a un statitique. J'aimerais bien un Pokémon électrique. Alors un Pokémon électrique. Donc j'aimerais bien en avoir un, mais je ne sais pas quoi prendre. Alors, du coup, ou bien je prends Statitique et puis voilà, et puis on voit, enfin, un Pokémon vol, il me faudrait, et peut-être un électrique ou un truc comme ça, enfin un stylet, un autre stylet quoi. Du coup, je verrai bien ce qu'on va capturer dans les dans les prochains épisodes. Mais voilà, je vous laisse là pour cet épisode. N'hésitez pas encore une fois à mettre le pseudo, le surnom ou autre dans les commentaires de la vidéo, ainsi que le Pokémon hein, que vous voulez avoir avec votre pseudo ou votre surnom. Voilà, je flotte sur l'eau, moi je suis un ninja, voilà. Et puis, eh bien, je vais vous dire à très bientôt. N'hésitez pas à laisser aussi un petit j'aime, un petit pouce bleu ou vert. C'est bleu, je crois maintenant. Donc voilà, mais maintenant, pouce vert, je pense que tout le monde comprend. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!